Voilà une vidéo sur la notion de casse forte, casse faible à travers une partie Staunton-Williams en 1851. Bon, les Noirs ont gagné la partie, je vous le dis tout de suite, et puis Houston n'a pas très bien joué, avec surtout une position finale où toutes les pièces blanches sont désorganisées, confinées, ça c'est pathétique pour un tel joueur. Donc commençons. Donc C4, E6, ça a été joué à Londres en 1851. E3, F5, G3, bon tout ça c'est correct. Cavalier 6, fou G2, fou E7, cavalier C3, petit roque, cavalier GE2, fou B4, petit roque, D6, D4. Et là, fou prend C3. Donc le moment particulier, premier moment particulier c'est ici, puisque les blancs, Staunton avec les blancs, rappelez-vous. Reprennent avec le pion B, ce qui peut se défendre tout à fait pour exploiter la colonne B avec un point de pression avec tour sur B1 et fou sur B1, pardon, tour B1 sur B7 et le fou G2 sur B7. Donc ça se défend. Le point négatif, seul point négatif, qui coûtera la partie d'ailleurs, on peut le dire tout de suite, au blanc, c'est le pion C4. Et donc la case C4 qui est faite. Ça paraît anodin comme ça, mais ça va coûter la partie aux blancs. Surtout qu'ils auraient pu tout à fait jouer autrement. Évidemment, sur cavalier prend C3, c'est tout à fait correct aussi. Donc revenons à la partie B prend C3. Donc fou prend C3, B prend C3. Dame E7, fou A3. Bon, ici la poussée C5 est une menace. Hein, les blancs veulent liquider leur faiblesse tout simplement. Donc C5 de la part des noirs, qui est un coup intéressant, voire nécessaire. Tour B1 avec une pression sur B7. Bon, classique. Sauf que c'est tenu par fou et par dame. Attention, ça ne va pas toujours être le cas. Donc E5. À propos de casse forte, c'est l'objet de la vidéo ici, il y a une casse forte en D5, mais les blancs n'ont pas su spécialement ou pu spécialement exploiter cette casse forte. Donc forte pour les blancs, faible pour les noirs. Donc tour B5 avec un problème sur C5 qui est attaqué trois fois, donc il faut réagir à 6. Tour B3, cavalier BD7. Donc voilà le deuxième moment critique de la partie, on ne sait pas pourquoi. Dans la partie, Staunton a joué tour B1 alors qu'en fait fou prend B7 qui est logique par rapport à la prise en C3 tout à l'heure et l'ouverture de la colonne B et récupère leur pion et un jeu tout à fait correct. Donc là on comprend pas trop, c'est confirmé par l'analyse, il faut prendre le pion en B7 ici puisque la dame ne contrôle plus B7. Alors, est-ce que les noirs n'ont pas été conscients de l'auto-interception sur B7? Est-ce que les blancs Staunton ont été victimes d'une trace amnésique, considérant le pion B7 toujours protégé par dame et fou, ce qui n'est plus le cas, donc, puisque la dame est auto-interceptée? Mystère. En tout cas, les blancs n'ont pas pris. Ils auraient dû prendre. C'est quand même le grand moment de la partie. Sur tour B1, E4. Voilà, c'est fini, hein, le fou G2 est enterré. Le prix à payer, c'est la case F4, hein, avec cavalier F4. Mais en même temps, la case D5, c'est cavalier en D5 ici, c'est pas tellement un problème, puisque les noirs auront tout à fait la possibilité de prendre ce cavalier. Donc, dans la partie ici, il y a cavalier F4 possible. Ce qui fait jouer, c'est dame D2. Sinon, vous avez aussi D prend C5, D prend C5, qui est un peu plus intéressant puisque ça ouvre la colonne D. En tout cas, c'est beaucoup mieux que ce qui a été joué dans la partie. Dans la partie Dame D2, on aurait pu envisager aussi peut-être Dame B3 ici. Voilà, on va un peu enregistrer tout ça. Dame B3. Revenons à la partie Dame D2. Et tout simplement, les noirs cueillent leur pion en C4 tout bêtement. Dans la partie F3, évidemment, on peut se poser la question, pourquoi ne pas jouer D5?
qui à mon avis est une erreur positionnelle, puisqu'après cavalier E5, bah, le pion C4 va tomber. Pareil. Et sans compter que le cavalier va s'installer en D3. Je pense que le moins mauvais ici, c'est de donner le pion C4. Donc, on voit ici que ça se retourne d'un seul coup. Dame F7, F3. Dame prend C4. Ouais, prendre le pion est doublé, mais c'est surtout pour récupérer cette case C4. F prend E4. Grande question dans la partie F prend E4. C'est pas mal de prendre avec le pion, puisqu'on a un avant-poste ici en B3 et F3, tout à fait intéressant. Le cavalier qui peut venir en D5 et sur E3, C3, donc. Mais cavalier prend E4 est tout à fait correct aussi. Doublé avec l'autre cavalier, les noirs ont une bonne position, avec notamment toujours ses faiblesses en E3 et C3. Donc la partie F prend E4, F prend E4, fois H3, B5. Un coup très intéressant puisque ça libère la case B6 pour le cavalier. Cavalier F4 avec une menace ici en E6 fou E6 gagne. Donc tout simplement le coup naturel, cavalier B6 qui n'est pas spécialement joué pour parer la menace et surtout pour installer le cavalier en F4. Au passage, ça règle le problème, ce qui n'est pas plus mal. Donc fou G2. Dame F7, un coup très élégant, j'aurais dû vous laisser un peu plus de temps ici. Dame F7, puisqu'en apparence, ça perd le pion C5, mais c'est un coup très élégant, c'est relativement facile à trouver. Que je me rappelle, Dame prend C4, c'est un peu buggé. F prend E4, F prend E4, fois H3, B5, cavalier F4. Cavalier B6, fou G2. En fait, les blancs ne voulaient pas échanger leur fou. Si vous regardez bien ici, dans cette position, pour illustrer cette idée, c'est qu'un cavalier noir en C4 ne peut être contesté que par le cavalier F4 et le fou H3. Donc, si les blancs avaient laissé l'échange fou contre fou, il n'y aurait plus que le cavalier F4 pour contrôler un cavalier ici, contester un cavalier en C4, mais les noirs ont deux cavaliers. Donc à terme, les Noirs auraient eu un cavalier en F4 définitivement. C'est peut-être ce qui a motivé les Blancs dans le coup fou G2. Donc Dame F7, un coup très élégant, on était là. D prend C5, K et C4. Voilà un coup qui fait tout. Qui tient D6, qui gagne un temps sur le fou, la Dame. Et les Noirs atteignent leur objectif, installer un cavalier en C4. Sur la case forte. Donc, Dame C1, et là je vous laisse quelques instants. Les Noirs ont joué un très joli coup pour récupérer leur pion C5. Ils ont joué Dame A7. Une façon élégante d'installer un cavalier en C4 et récupérer C5. Tout revient dans la partie. Évidemment, faut se poser la question de C prend D6. Cavalier prend E3. D7 par exemple, la position devient très complexe, mais. C'est pas très bon, les pièces blanches ne jouent pas vraiment. C'est pas très bon pour les blancs en fait. Un cavalier prend F1 échec par exemple, roi prend F1 et fou prend D7. Si les blancs s'amusaient à prendre la qualité, cavalier G4 ici, dame E1, tour prend F8 et la position des pièces noires est tout à fait favorable et donne l'avantage aux noirs. Donc tour 1, D prend C5. Donc les Noirs ont joué très proprement et atteint leur objectif, installer un cavalier en C4. Rappelez-vous encore une fois que les deux pièces ennemies qui peuvent contester ce cavalier, c'est le cavalier et le fou. Donc si on peut les prendre, on va rester avec un cavalier en C4, évidemment très fort. Donc, fou B2, l'idée ici est de libérer la dame qui devait tenir ce fou. On peut déjà constater que les pièces blanches sont confinées et sans perspective. G5. Bon, la situation s'aggrave ici puisque c'est très joli coup. Hein. Cavalier E2, c'est procéder au seul coup. Cavalier H3, H6, il faut avoir envie. Certainement H6 et le cavalier en H3 n'est pas glorieux. Peut-être
cavalier F2, mais les blancs restent confinés, même là. Donc G5, cavalier E2, fou G4. H3. Bon, les pièces blanches ne jouent pas, hein, je vais le répéter, mais c'est quand même une catastrophe qu'un tel joueur comme Stanton en arrive là, c'est quand même étonnant. H3, fou F3. Bon, sur fou prend E2, c'était intéressant parce que ça faisait moins 1. Hein, ce cavalier ne peut plus contester notre cavalier en T4, mais ça réactivait un peu le jeu des blancs, notamment sur la deuxième, donc ça n'aurait pas été très judicieux ce coup fou prend E2. Hein. On est là, fou prend E2, non. Je préfère le coup qui a été joué dans la partie, c'est-à-dire fou F3. Et ce fou n'est pas prenable hein, sur fou prend F3, il y a E prend F3, et les blancs ont de gros problèmes. Donc sur fou F3, roi H2, je suppose pour jouer cavalier G1, essayer de mettre de l'ordre. Sauf que le temps de se ré réorganiser, les noirs en profitent. Tour AD8. Fou A1. Peut-être cavalier G1 ici, hein, mais fou A1, c'est pas très utile. Puisque tour D2, la messe est dite en fait déjà depuis quelques coups. Les noirs sont rentrés. Prenez un peu de recul, regardez les pièces blanches, c'est quand même assez pathétique. Donc, tour B2, tour FD8 évidemment. Et là, Stanton a craqué avec cavalier D4, tour prend B2. Fou prend B2 et C prend D4. Bon, on peut voir la fin de la partie. Il y a eu C prend D4, fou prend G2, roi prend G2, cavalier D5. Donc voilà aussi, il y a un cavalier bloqueur et en même temps un cavalier très fort sur la case D5. Les deux cavaliers noirs sont monstrueux, sans compter la pièce d'avance pour les noirs. Évidemment, la partie est gagnée. Roi H2, tour F8. Ouais, voilà, toutes les pièces noires sont au maximum, sauf la dame. Dame C2, dame F7, voilà, c'est le cas. Toutes les pièces noires sont au maximum. Bon, les blancs ne peuvent pas s'amuser à prendre là, puisqu'il y a ça, je suis sûr qu'il y a plein de coups ici. Qui gagne? Échec. Donc, dame F1 sur dame F7, tour E2. Dame F1, fou C1. Et cavalier B4, un coup très élégant, puisque la dame n'a plus de case pour jouer et continuer à protéger la tour E2. Donc voilà pour la partie. Ici, le coup très particulier, c'est B prend C3 où le pion C4 est isolé, ou plutôt faible, et la case C4 est faible pour les blancs. Le deuxième coup particulier, c'est ce coup ici. Où les blancs jouent tour B1, alors qu'ils auraient dû jouer fou prend B7. Il n'y a aucun souci pour jouer ce coup-là, et les blancs étaient bien. En tout cas, ils n'auraient pas joué cette partie pathétique qu'ils ont jouée dans la partie. Donc, essayez de revoir la vidéo plusieurs fois et vous inspirer de l'exploitation de la case C4, surtout si les blancs jouent aussi mal que ça. C'était quand même Stanton. Voilà, merci.